Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 3 minutes l'actu. Tout d'abord, nous ouvrons ce journal avec l'installation d'un troisième défibrillateur qui se trouve sur la façade de la ruche, place de la Bascule. Pour rappel, deux autres défibrillateurs sont à votre disposition, un au stade de foot et un autre à la salle du temps libre. Nous continuons avec la vente de composteurs par la communauté de communes de Forêt-Est. Ceux-ci sont au prix de 20 euros au lieu de 50. Pour plus d'informations, rendez-vous en description. Petit rappel, la collecte des ordures ménagères ont lieu tous les 15 jours en semaine impaire depuis le 4 janvier 2021 et non plus en semaine paire. Nous vous informons aussi que les dates des élections régionales et départementales sont décalées d'une semaine. Le premier tour aura lieu le 20 janvier 2021 et le second le 27. Pensez bien à vous inscrire sur les listes électorales en vous rendant en mairie ou par le site internet service-public.fr. Côté manifestation, le 14 mai prochain aura lieu le don du sang à Saint-Jules-la-Pendu de 16h à 19h. Rubrique sport maintenant avec les pas pressés et les chevreuils félinois. Vous pouvez toujours devenir adhérent de leur club. Pour cela, prenez contact directement avec leurs responsables. Les liens de contact sont disponibles dans le descriptif de cette vidéo. On clôture ce journal en souhaitant la bienvenue à Julie et Aurélien de la ferme de l'Oasis, créée il y a peu. On aura le plaisir de les retrouver très prochainement sur le marché hebdomadaire et dès à présent dans les brèves félinoises avec un article complet. Nous restons évidemment joignables par mail jtfelinois@laposte.net. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur Télévision Félinoise. D'ici là, prenez soin de vous et de vos plantes. Au revoir.